We're gonna put your pyjama. Mama. Leanne, look, mama. Mommy. Look, mommy. Yeah. Say pyjama. Pyjama. Mama. Voilà. Pyjama. Mama. C'est pyjama. Non, c'est pyjama. Almost. Fermez les yeux. Ok, on est parti pour le jeu. C'est les memory cards. The winner. The winner. Will win. A little. A little. Candy. Candy. You okay? Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Ça, c'est un bonbon. D'accord? Bonbon. Bonbon. Voilà. Si vous êtes sage. Je vous le donnerai à la fin de la journée. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, maman. Oui, maman. C'est oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Voilà. Je vais être sage. Je vais être sage. Aujourd'hui, petite maman. Aujourd'hui, petite maman. On va pas se battre. On va pas se battre. Et on va être des petits chats. On va être des petits chats. Voilà, très bien. Petit chat-chat. Petit chat-chat. Exactement. Alors, mettez un petit bonbon dans votre poche, hein, s'il vous plaît. Dans votre poche, s'il vous plaît. In your pocket, please. Non, non, Voilà, bravo, regarde qu'il a tout compris. Il parle bien français. Et toi, ça va? Voilà, cache, pocket, c'est bien. Poche, c'est pocket. Bon, les gars, je suis en direct de chez le dentiste. J'avais mon rendez-vous. Ça fait peut-être 6 mois que je le décale parce que ça, j'ai pas envie. Donc là, je me suis dit, je vais y aller et on va contrôler toutes mes dents. Voilà, si vous l'avez pas fait, c'est important de le faire au moins une fois par an. Et ils vont nettoyer les dents, ils vont m'inspecter les dents, faire des radios des dents. Du coup, je m'apprêtais à faire ma douche. Je voulais vous montrer l'évolution des coups de soleil. Donc voilà, le corps fait son petit travail. J'ai vraiment besoin de gommer parce que là, la peau, bah, clairement, je l'ai bien laissée tomber toute seule. Mais là, voilà, je ne me sens pas super bien. Donc j'ai préparé l'aloe vera et surtout, j'ai préparé mes gants. Donc ça, c'est une petite merveille si vous ne l'avez pas déjà de chez Skin Pop. Donc vous avez un petit format pour le visage, le cou, le décolleté. Et vous avez un plus grand format pour le corps. Ces gants-là, ils ne sont pas simplement faits pour faire peler la peau. C'est des gants qui vont permettre de traiter plus de 15 problèmes de peau différents. Donc, ce n'est pas des gants de crin que vous avez l'habitude d'obtenir ou d'avoir dans des hammams ou ce genre d'endroit. Je vois de quoi vous parlez. Là, on est vraiment sur un modèle très spécifique. C'est des gants en soie, d'accord? Donc, ils ont été faits avec de la fibre de soie et ils vont traiter les boutons dans le dos, sur les fesses. Ils vont traiter les vergetures, ils vont traiter tout ce qui est peau morte, cicatrices. Donc ça va donner un aspect à la cicatrice, pardon, moins bombée. Ça va la smooth, comme on dit en anglais. Cellulite, parce que ben, du coup ça fait circuler tout ça. Rides, ridules au niveau du visage et du cou. La peau 100% plus lisse et plus douce, bon ça on le sait déjà. Mais vraiment voilà, c'est pour vous dire que c'est un gant exfoliant en soi et ne vous dites pas c'est un simple gant que vous avez l'habitude d'avoir chez vous parce que ce n'est pas du tout le cas. Donc la marque c'est Skin Pop, je vous mettrai leur compte Snapchat si vous voulez regarder, ils mettent pas mal de vidéos. Je vais vous faire une petite démo et je vais aussi vous remettre une photo, enfin une vidéo où j'avais utilisé du coup le gant et j'étais pas du tout bronzée pour vous dire que ça nettoie pas que après un coup de soleil, bien au contraire, je l'ai fait sur une peau qui était bien blanche, qui n'avait pas du tout bronzé. Donc je l'avais fait sur une peau qui était bien blanche, pas bronzée et qui avait vraiment besoin d'un décrassage. Donc parfois on se dit « Ah non, j'ai pas besoin, regarde ce que j'avais fait, je vais vous partager les anciennes vidéos ». Et puis en frottant un petit peu, on se dit « Ah ouais, quand même, j'avais besoin ». Donc voilà, ça en tout cas, c'est génial. Plus il vieillit, mieux il fonctionne. La première fois d'utilisation, il marche très bien, mais les fois suivantes, il marche encore mieux. Donc comment ça se passe? On met le petit gant, d'accord? On le passe sous l'eau, voilà.
Il faut bien le mouiller. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Et donc, nous allons pouvoir gommer tout ça. Donc là, bon, forcément, on est sur une peau qui s'en va toute seule. Hein. C'est un peu dégueu d'ailleurs, mais bon, ça reste de la peau. Mais vraiment, on est... bon, là, je vais faire tout le corps, hein, parce que j'ai pas le choix. Mais voilà, il n'y a rien à faire, juste des petits mouvements comme ça. Ça va permettre de lisser la peau. Ça travaille aussi sur la qualité de peau, sur les vergetures, sur les problèmes de boutons qu'on peut avoir, des poils incarnés au niveau du bikini, enfin, toutes ces choses-là, pour vous donner vraiment une belle peau et une sensation vraiment de confort. Donc là, voilà. Ouh là 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 là. Ouais, c'est terrible, regardez. Là, je pense qu'à part ce gant, il n'y a rien d'autre à faire parce que quand je le fais avec mes mains, ça ne fonctionne pas. Et là, voilà, il y a tout qui s'en va. Donc, je suis très, très, très contente. Magnifique. Ce que j'aurais dû faire et ce que je vous conseille de faire, mis à part mettre de la protection solaire, c'est... mon Dieu, c'est terrible. Il y a tout qui s'en va. Ce que j'aurais dû faire, c'est préparer ma peau au bronzage. Donc ça aussi, c'est écrit partout, sur tous les sites. Préparer sa peau au bronzage, pardon, c'est-à-dire enlever toutes les peaux mortes pour avoir un bronzage bien beau, bien uniforme. Et c'est là que ça rentre en jeu. Donc là, c'est bientôt l'été. Si vous voulez avoir un beau bronzage, passez le gant, je ne sais pas, quelques jours avant l'exposition. Au moins, vous allez avoir un bronzage qui va tenir très longtemps. Vous n'allez pas peler si vous mettez la protection. Donc le gant en soi plus la protection, vous allez être au top et vous allez même pouvoir garder votre bronzage tout l'été. Et ça vraiment c'est un kiff. Donc j'aurais dû, mon Dieu, j'aurais dû préparer ma peau au bronzage en l'exfoliant correctement. Chose que je vous recommande de faire et que je n'ai pas fait. Voilà, donc là on voit il y a tout qui est en train de partir. Alléluia. Vraiment bien, c'est très souvent au niveau des aisselles ou du bikini, on a de la pigmentation et là ça va vraiment aider au niveau de l'hyperpigmentation. Donc c'est top, ça enlève le bronzage et surtout ça prépare la peau au bronzage. Ou si vous allez mettre de l'auto-bronzant ou faire une douche bronzante ou je ne sais quoi, ça c'est l'étape cruciale en fait qui va faire toute la différence par rapport au résultat.